Sur la crête de Givrefeu pour le moment, hein. Et quand on aura le fly, on partira pour voilà pour Gorgon, sachant qu'on a des choses à faire là-bas. Voilà. Et vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Hein, par exemple, il y a une vallée d'ombre lune ici qui ressemble, ben, Enagrande, qui sont ce qui ressemble énormément à l'Outre-Terre. Je n'ai besoin que d'un loup à mes côtés et d'un frère guerrier qui couvre mes arrières. Okay. Notre force vient de notre union. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ok. Donc, ça c'est plutôt cool. J'aimerais bien ça aller débloquer la mine. On va essayer d'aller débloquer la mine. Je crois qu'on peut l'avoir. Niveau 2, je pense qu'on peut l'avoir. Ok, alors par contre pas cool. J'ai des ennemis qui sont juste... Montez. Salutations, commandant. Quoi? Ok. Beaucoup, beaucoup trop nombreux. Bon, ça va, sont pas difficiles à tuer, mais bon. Quand il loot que dalle. Oh bon, niveau 100? Bah écoutez. Bon, je pense que je vais rush un petit peu, hein, parce que... Ok, voilà, la quête est rendue et normalement on libère la mine.
Alors, le problème, c'est que sur certains serveurs, on libère la mine, mais les ennemis sont toujours là. Alors, est-ce que... D'accord, ok, il y a une commande. Que dois-je faire? Parfait. On a la mine. Donc on a nos gobelins qui travaillent. Par contre, j'ai pas les ressources minables. Peut-être que je monte la mine d'abord. Mais non, normalement, j'ai les ressources pour ça. Les ressources que je dois miner sont pas encore apparues, peut-être qu'il faut attendre 24 heures. C'est pas impossible. Mais en tout cas voilà, j'ai mes gobelins à la mine. Et donc les ennemis apparemment ne réapparaissent pas dedans. Donc ça c'est cool. Au moins c'est bien scripté ça. Une chose de bien scripté, c'est cool. Bon, on a la mine. Est-ce qu'on a... Ouais. On a aussi le potager. Allez en compagnie de la terre-mère. Quoi qu'elle a pas l'air d'être extrêmement... Là, j'ai comme un doute par contre, elle a pas l'air d'être en fonctionnement. Ah oui, attendez, il n'y avait pas un easter egg là? Non, c'est pas ce que je voulais, c'était ma respiration infinie. Il n'y avait pas un... Par là. C'est ça. Yes. Ils ont pas scripté l'easter egg. Normalement, ça se drop des ressources. Faut le savoir, hein, que c'est lent, hein. Mais ouais.
Bon, on va jeter un œil justement à tout ça. Non, c'est pas toi que je voulais, c'était le pupitre. Donc ici, ben, ça avance, hein, ça indéniablement. je voulais voir la cabane de pêche, le jardin. Non, ok, le bâtiment est verrouillé. Qu'est-ce qu'il faut pour le déverrouiller? C'est des quêtes, c'est ça, c'est des quêtes particulières qu'il faut. Et donc pour 50 ressources et 300 pièces d'or. Ah oui, c'est vrai que ça me coûte des pièces d'or aussi cette histoire. Je peux augmenter ma mine. Ok. Donc cette parcelle-là, je peux y mettre. Ah, il y a le cabinet d'enchanteur, mais je suis pas sûr. Le centre de tri. Le centre de tri va être méga important. Ça y est, mais c'est ça qu'il va me falloir ici. La caserne, ça ici, ce sera la caserne, ça c'est sûr. Et ici, j'hésite, mais... Je pense que je vais mettre le comptoir. Ah non, sinon il y a la grange. La grange c'est important. Le problème c'est que sur les serveurs que j'ai, sur lesquels j'ai joué, c'était pas scripté. Donc je sais pas comment ça fonctionne. Mais ça peut me fournir des fourrures et les fourrures j'en ai besoin. Bon, ok, donc. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Venez me voir si vous avez besoin d'aide. Alors pareil, ici j'ai un gros avantage, c'est que j'ai un forgeron. Pas lui, c'est lui. Des marchandises à vendre ou à échanger. Qu'est-ce que t'as, toi? Bon du retard. Bon. Les ressources sont toujours pas réapparues, par contre, ce qui est un petit peu bizarre. Alors, ensuite. J'ai une quête disponible. Ouais, ok. Là, ici, c'est normal. Donc ici, non, pas de quête. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc on a cette quête-là, qu'on va certainement faire. Et ensuite, on va se diriger vers la lisière de Sombrelance.
Quoique je ferais bien des quêtes à l'avant-poste avant, mais on verra. On va suivre le cheminement normal proposé par Draenor. Ouais. J'ai pas fait attention là, j'avoue. M'en doutais que c'était pas chargé. Normalement, je savais qu'il y avait des ennemis ici, mais. C'est pas load. Il est dans la grotte, hein, c'est ça? On va essayer de contourner. Ah oui, 9000 points de vie quand même. Bah c'est normal, hein, no notre niveau augmente, les points de vie des ennemis aussi, hein, c'est normal. Oh, ça drop des sourires somptueux, ça vaut le coup. Parce que il m'en faut pour la couture. C'est l'étoffe qu'il y a à Draenor. Ok. Oh. Ah, bah ben oui, maintenant c'est obsolète, mais avant oui, on obtenait le secourisme comme ça. Sur des loots. Bon allez. Ouais, c'est un beau sac à PV aussi, lui. Et il fait freeze mon jeu, par contre. Putain, il fait un vacarne. Ça sent que je galère ou pas? Mais je...
Il arrête pas de m'interrompre. J'y crois pas, je vais pas réussir à me le faire parce que l'autre... Mais j'y crois pas, je me fais interrompre tout le temps, je peux pas lancer de sort. Fais chier. Bon, il est pas évident, mais c'est surtout parce qu'il y a d'autres mobs. Il y a d'autres mobs qui viennent l'aider, ça, ça fait chier. Non mais 53 000 points de vie, il est vraiment chaud lui par contre. Bon, on va drainer celui-là. On va aussi se faire celui-là. Par contre, j'ai manqué de mana. M'approcher, mais j'ai manqué de mana. Après, faut vraiment que j'aille à son emplacement et que je le colle, quoi. Mais j'attends juste que ma mana remonte. Allez, c'est parti. Là, attendez, je vais essayer une technique. Voilà, c'est de me mettre en hauteur. Non, ça changera rien. L'autre, bien sûr, il la respawn. Bon. Lui, on va le gérer comme ça. Mais surtout lui. Putain, faut... Lui, faut que je draine sa vie, y a pas, quoi, c'est... J'aurais dû aussi faire des pierres de soins. J'ai oublié de faire des pierres de soins et j'en avoir besoin.
Je suis mort. J'ai beau drainer tout ce que je veux. Putain, il lui reste. Putain, mais non! Quoique si c'est encore faisable. Vraiment que lui meurt par contre. C'est bon, s'il meurt, c'est bon. Allez, 700 points de vie, 700, 500, 17, c'est bon. Lui, j'ai plus qu'à le drainer. Wouh! Je ne peux pas en porter plus. Je ne peux pas en porter plus. Cuisine. Ouais, bah oui. Voilà, de toute façon, on s'en fout. J'en ai un. Je ne peux pas. Ok. Bon! Wouh! Pour le reste, ben fuck it, hein. Eh ben mes salauds, on en aura chié, hein. Sombre lance. Non, sérieux? Il est passé où? C'est un perso qui se déplace. Pourquoi il était immobile avant alors? C'est absurde. Non, il est là. Ok, d'accord. Il est là, c'est parce que... Ok, c'est un bug. Il était en déplacement alors qu'il devait pas l'être. Bon, bah... 45 ressources. J'ai toujours pas réapparu, par contre. J'ai un doute si c'est là ou à côté, en fait. C'est pas là. Non, j'ai mes caches de ressources ne réapparaissent pas. Ça, c'est assez agaçant. Parce que c'est vraiment une source de revenus pas négligeable, quoi. Oui, donc. 45, hein. Qu'est-ce que je peux construire pour ce truc-là? J'avais dit le centre de tri. Ah, mais pour 45, je peux pas. Par contre, je peux peut-être... Voilà. C'est quoi? Ouais, vas-y, allez. Hop. Ah, c'est 10. Ouais, allez, c'est 10. Et... 74% de chance de réussite. Ouais, vas-y. Ok. Ah, seulement 67. Bon, allez.
Ouais, non. Ah bah, il est là en plus au l'impôt de sirène, il n'y a pas besoin de... Bon allez, hop. Voilà. On va profiter pour envoyer en mission. Loup de fer. Ouais. Bah écoutez, on va faire ça, hein. Ah oui, puis attendez, tant que j'y suis. Non. Il vaut pas le coup. C'est lié? C'est lié. Fait chier. C'est pas grave. Ce sera vendu à un marchand. Attendez que je dise pas de... Ouais. D'abord que je sorte de mon... Je pense que je vais contourner par là parce que visiblement... Ouais. Bon. Mince. J'ai pas vu qu'il y avait un... J'ai pas vu que c'était un ennemi, ça. Alors, je suis censé avoir une quête, là, dans le coin. Oh, c'est pas vrai. C'est bon, t'es calmé. Ok, j'ai pris du mauvais côté. C'est des choses qui arrivent. Ah non! Je suis tombé dans un trou, je suis coincé. Ah, c'est génial. Et puis ma pierre de fief, elle revient que dans 13 minutes. Eh ben, c'est magnifique, ça! Aïe 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 aïe. Ah c'est beau.
Ouais, j'ai pas de courrier. On va rapidement passer à l'hôtel des ventes. Ça charge. Alors, on va d'abord aller vendre ce qui doit l'être. J'ai des objets uniques au monde. Avec ça. Mort à nos ennemis. Le soleil éternel nous guide. Alors, ça. Et j'ai pas vu que c'était lié. Ok, ça c'est lié. Oh bah, de la viande de sanglier. Ça se vend ou ça se vend pas? Ça se vend une misère. Allez, hop. Nous obtiendrons justice. Pour la forme. Attendez, je regarde un petit peu s'il y a des enchères sur les équipements que j'ai laissés. Qu'est-ce qui vous amène? Non, pas dans les ventes. Donc j'ai ça, hein, j'ai une ceinture de soie qui est partie à 400 là. Non, mes étoffes runiques ça se vend pas trop bien, les étoffes d'Éolène non plus. Bon voilà, j'ai mis aussi les rations, mais ça je me doute que. Voilà, je les ai mis à un prix dérisoire, je me suis dit pff, ça se vendra pas. Les épaulières, ouais. Et ça pareil. Pour le puits de soleil. Bon. Bon, au pire, on peut l'apprendre. Hein. Ah oui, mais il faut déjà avoir appris le niveau 1 de cuisine. Ouais, bon. Ça m'intéresse pas. Honnêtement. La bouffe, ça se vend pas. Et puis. Puis les compos sont chiantes. Bon, de toute façon, voilà, Draenor, on va. Donc, on est niveau 100, on va. Je sais pas. J'aimerais bien continuer Draenor pour les. Pour les... Le problème, c'est que s'envole, c'est chiant. C'est. Quand vraiment on a goûté au vol, c'est très très dur de s'en passer. Ok, Orgrimmar qui rame toujours autant. La capitale, c'est vraiment l'enfer par contre. Oh purée, j'ai le jeu qui freeze. Bon écoutez, je retourne à Draenor et puis ben je vous reprends. Bon, alors je vous explique, ça fait. Quasiment ouais, une demi-heure que je tourne pour essayer de trouver le mob qui est là. Sauf que j'arrive pas à le trouver. Apparemment, il est en sous-sol et j'arrive pas à trouver l'entrée de sa grotte.
Donc, pour le moment, j'abandonne cette quête. Je trouverai peut-être, voilà, hors caméra, à un autre moment. Donc, étant ici, là, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre le fly qui est là, au séjour du loup. Donc, je viens de prendre le fly. Et puis, on va retourner à l'avant-poste et on va se diriger là vers Lisière de Sombrelance. Quoi que soit, j'ai vu qu'il y avait une quête à rendre ici, sauf que, ben, il n'y a rien. Ok, bah, je sais pas. Il marque un point d'interrogation jaune, mais il... Oui, et donc j'ai dit que j'allais prendre le fly. Avant de le prendre, oui, en arrivant au niveau 100, je l'avais pas vu, mais j'ai un point à distribuer. Et c'est le dernier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Conducteur d'âme. Chaque éclat d'âme dépensé à 15% de chance de vous être restitué. Ça peut être sympa. Agonie, corruption, siphon de vie et affliction instable inflige leurs dégâts 15% plus vite. Ah ouais. Ça c'est cool. Sinon on a un sort instantané. Bon ben, voilà, imprègne votre âme de la souffrance des ennemis tombés, ce qui augmente la hâte de 30% pendant 20 secondes. Non. Mort insidieuse, elle est bien. Hein. Mort insidieuse, il est très bien. Là, je me pose quand même la question. Ça, on s'en fout. Ça, c'est long. Voilà. Je regarde hein, si y a pas je pense honnêtement. Ah non, siphon de vie il est plus important que ça. Le truc c'est ça, c'est par exemple drain de vie, la joie 690. Ouais, mais 500% des dégâts infligés, voilà. Alors que là... Ouais, donc voilà. Donc je pense honnêtement qu'on est plutôt optimisé. Je pense que honnêtement, c'est les meilleurs choix qu'on avait à faire. Donc voilà. Donc. On peut peut-être faire affaire. Voilà, on va. Oula! Le machin, il fait des tonneaux et tout. Bon, enfin des loopings. Ouais, ça. Allô le jeu? Voilà, ça. D'accord, ok, il est en train de charger les données. En même temps qu'il vole, il est en train de charger les données. C'est pour ça que ça. Ça rame un peu. Bon. Ben voilà. On est reparti. Et donc direction ici. Besoin de réserve.
On va passer par là. Il me semble que c'est pas un cul-de-sac, hein. Non, c'est pas un cul-de-sac. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette zone-là aussi en dessous. Là, par contre, en dessous, de souvenirs, c'est un peu la guerre. Là, on voit pas les mobs, mais... Mais c'est vraiment l'enfer, là-bas. Bon, niveau 100, 17 000 points de vie, il faudrait vraiment que je trouve un stuff mieux que ça. Hein. Parce qu'à mon avis, j'ai vraiment pas un stuff qui... Qui est au top. Lui il a pas chargé. On va commencer par rendre la quête. Vous voulez quoi? À une autre fois. Alors, 8 doses de venin. Un plus tard. Rôdeur, ok. Allô le jeu, voilà, merci. Lui il refuse toujours de charger. De toute façon on va faire les quêtes qui sont ici. Sauf que j'en vois pas d'autres. Normalement je suis censé avoir d'autres. Elle est quoi elle? Qu'est-ce que vous cherchez? Ok. C'est une aubergiste mais apparemment elle propose pas de. De changer de foyer. Ok. Donc j'ai 8 doses de venin à récupérer sur ces mobs qui sont à 22 000 points de vie. C'est quoi ce délire? Non mais toujours plus hein, de Raynor. Je me souvenais plus qu'ils avaient autant de points de vie ces mobs. Ah d'accord, au moins ils en drop 2 à chaque fois. Ben ouais ça c'est... C'est quand même folklorique hein. Ah, d'accord, ok. Non, il drop pas à 100%. Bon, lui là-bas, est-ce qu'il a chargé? Me dis pas qu'on peut pas avoir ce fly. Bon. On verra. Si je déco et reco, peut-être qu'il apparaîtra.
Allez, drop. Bon. Pour le moment, ça va, 3 tués, 3 doses. Ah d'accord, ok, il y a ces versions-là aussi qui drop. Ok. Bon, celles-là, elles vont quand même être beaucoup plus simples. Quoi que je dis ça, mais... C'est pas dit, en fait. Bon, allez, plus qu'une dose. Eh merde. Allez, à faire régler. Comme quoi, c'est pas les plus gros qui sont les plus chiants, hein. Allô le jeu. S'il te plaît. Pourquoi tu plantes comme ça? Ok. Ah ouais. Il est pas mal ce froc. Ok, ok. Alors, récupérer 10 feuilles... Ah oui, ok. Une quête de récolte. Bon, voilà, ça c'est une petite quête de récolte. C'est pas... Voilà, ça, ça se fait en mode chill. C'est pas... Pas plus cher. Mais il me semblait qu'on pouvait les faire simultanément ces quêtes là, mais non, apparemment c'est une par une maintenant. Allez, j'ai l'impression que... Voilà, je souffle encore dans mon micro là, mais donc... donc... Voilà, on a les trois qui manquent là-bas et puis c'est bon. Voilà, petite quête simple. Ok, trouver la tanière et tuer Grosch le puissant. On l'a pas déjà fait. Non, c'en est un autre.
J'espère qu'il est pas aussi chiant que le Claude qu'on a affronté. Bon, lui, il est toujours pas réapparu. Et ce qui est chiant, j'aimerais bien avoir le fly pour ici. Bon, on va aller voir pour affronter l'autre là. Non. Non, 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 non. Je suis pas d'accord. Allez, salut, hein. Apparemment, c'est dans ce trou là. Ça sent pas bon. Il est tout seul? S'il est tout seul, ça va se faire, hein. Par contre, il est élite, hein. J'espère que ça va aller. Il tape à 800, quasiment 1000, hein. Ça picote, hein.